Deuxième partie. Le manoir Usher. Là, deuxième partie, ça aurait été supposé Kevin qui joue. Mais là, il voulait manger des céréales. Fait que c'est moi qui continue encore un peu. Non, c'est vrai, il faut que je prenne la manette. C'est pas clavier. Il marche à la manette finalement. Oh, exactement dans la même pièce. Hein? De quoi? Hein? C'est quoi le one shot à. C'est quoi one shot à paniquer? C'est quoi ça? Ah! C'est quoi ce bruit? Je suis stressé! Oh my god, ça part fort! C'est quoi déjà les touches là? Qu'est-ce qu'on avait. Ah oui, on avait été dans la cave pour faire le. Faire le les fusibles. Puis là, il voulait trouver l'année du cadre à côté des marches pour ouvrir le truc. Ah ben, il est titre, ending coffre-fort. Le numéro de notre adresse, c'est 4. L'âge de Saul, 7. La décennie et l'année. À laquelle la toile accrochée à l'étage juste à côté des escaliers a été peinte. La décennie et l'année. Ok. T'as dans le fond les deux derniers chiffres, c'est pas 1949. C'était quoi déjà la map? Ça, c'est. J'ai oublié la map. Ah ok, c'est le joystick, tu cliques dessus. Non, c'est ça, je pense pas. C'est ici. Oh, c'est celle-là. Pas payé la chandelle, connaissait pas. Y'a pas de son. Mais, je pense que c'est plus. C'est verrouillé de l'intérieur. Celle-là, je pouvais-tu l'écouter? Non. Pas grave, on l'essaye. On retourne vers les escaliers. Elle marche? Ouais. Mais non? Elle était bloquée à midi? Ça, c'était avec le double de Google, on est arrivé avec la prochaine. Ok. Ah oui, la cuisine où justement ici tu m'avais bloqué. Ah oui, c'est vrai, ben, tu peux pas y aller. Faut être écouté à la porte. Je peux pas écouter. Je vais pas écouter celle-là. C'était... Ah non, faut c'est que j'aille par la salle à manger. Pour aller là, c'est qu'il y avait quelque chose ouais. Là, fait que je suis pas sûr que tu devrais aller là. Ouais, mais moi non plus, j'ai pas tant le goût. De toute façon, on a l'énigme là, il faudrait trouver le cadre. Là, il y avait une petite fille aussi qui a dit qu'elle était pas au bord de sa chambre. Pas trop fan de ça non plus. Retiré d'après la marque sur le mur, je ne parle pas parce qu'il l'a décroché depuis longtemps. Merde. Un portrait de 1634, je ne connais ni l'artiste ni le sujet. Ah. Mais c'est pas celle-là, parce que c'est pas la bonne chambre. Je pense que c'est celle qui risque de trouver la peinture. Mais... Les rues sont si calmes. Police! Une police venue nous aider! Oh my god! Catherine, l'épouse de Usher avec leurs enfants Julia et Saul. Ne regardez pas la photo. Il est trop tard. Oh my god! Wow! J'ai eu des frissons. My god.
joie dorée de Usher, il semble être patient. My god, ça va être bizarre ça. Oh oh. C'est niaiseux, mais on dirait que c'est loin dans ma tête. Les fusils ne marchaient pas. Il y avait l'énigme du coffre-fort. Mm-mm. Ben, cette clé rentre. That room looks really dark. Je pense que c'est le bord de. D'où est-ce que ce levier? On n'a même pas ça. Des figurines et des masques, un contenu lointain, si j'avais le temps de continuer de voyager comme avant, voyant si je peux convaincre d'améliorer au Bernard. Laisser de si belles œuvres régner sur le sol est un signe de richesse, je suppose. Il n'est pas en forme d'ovale. Les marques sur le sol doivent être liées à cette trappe. Non. Les
Il y a une trappe et un grenier. Sa barbecue avec un manche en bois idéal pour faire un barbecue. Ok. Peut-être. Je sais qu'on peut combiner des arcs. Ce genre de pain sont excellents pour sortir la nourriture du four. Fait que pour sortir la nourriture du four, on va peut-être te donner un indice. C'est pas important ce que je pense du projecteur, mais ça serait inutile tant que je ne pourrais pas l'allumer. Huh. Je suis pas sûr, mais je pense que cette batterie est celle du projecteur. Ok. Les plantes sont belles et vertes grâce à la pluie, je pense. Des boîtes pleines de terre et d'engrais. En gros, faut le brancher jusqu'à. C'est une grosse batterie de même, ça va pas dedans. Là. Fait qu'il faut le brancher au projecteur, je veux dire. Oh, le beau visuel. Yes. Une lettre pour acheteur écrite le 10 août 1998. Elle a été envoyée par le propriétaire d'un magasin d'antiquité. Cher Sébastien, je voulais vous écrire personnellement pour vous informer que j'allais prendre un peu de temps pour me reposer. La boutique sera donc fermée à partir de demain. Je voulais être celui qui vous en informe plutôt que de vous laisser découvrir le message sur notre porte. Ma fille est en voyage. Je dois avouer que je ne peux pas tenir le rythme tout seul, surtout à cause de mes récents insomnies. Dès qu'elle reviendra, nous devrons de nouveau. Soyez assurés que vous serez le premier alerté. J'espère que j'irai mieux d'ici là. Veuillez saluer chaleureusement votre famille de ma part, cordialement, Isaac Farber.
God. Is there someone on the other side? What? I have to get in there. Oh, wow. Mais c'est lui qui serait enfermé. To that door. Pourquoi il veut gérer là? Va pas là, moi. C'est le placard de marde. Fucking hell. Il y aurait le bureau là-bas avec la porte, ok. Faudrait-tu que je retourne dans le placard, là? Ça gosse. Pas de cul. J'y vais pour la science, Kevin. Non, je fais pas bien. Ça s'est ouvert tout seul, puis ça s'est refermé, c'est pas normal. Je peux pas écouter. Thank you.
garage. Truc de porte de garage. J'ai une porte de garage, le passe-partout, j'ai un torchon pour enlever l'eau dans la cuisine. C'est vrai, il y avait de l'eau dans la cuisine. Là, ça veut dire faut que je redescende les marches, c'est pas ça. Le beau visuel. Le torchon, c'est dans la cuisine, ça veut dire? Fait que faut que j'y aille par la pièce bizarre. Bon, ben, il y a un chien de mort dehors. Cool. Donc elle doit l'avoir sacré hors des objets. Pour me cacher quand on jouait à cache-cache. Cool. Possible d'aller bouger. Ah.
Ah ben! Un petit bois. Ah. Pas de chauffage. Oh, ma chère. Un oiseau mort. Plein d'oiseaux morts. C'est triste, ça. Ouais. Je peux pas y écouter non plus, là. Aïe, aïe, aïe. S'ouvrir, Kev. Oh. Oh. What in the world? Kev, pour sortir, pas un petit boulot. Non, le garde-manger. Ouais. Oh. J'ai des frissons, bâtard. Pas besoin d'aller le garde-manger, j'ai plus rien. Faudrait quoi, de l'huile, genre? De l'huile ou du papier, tu penses? Le cadran. Ovale qui est retiré.
What the? Hey, c'est la porte qui est barrée. What the devil? Comment ça fait claquer les portes là? Pas correct ça. Je fais le plus bien moi là. Pas encore. Bande de pas bien. Bande de zibou. La pièce endommagée, c'est. La pièce endommagée sur les nœuds semble correspondre à la tige qui est constituée de la serrure. Pourrais-je les coller ensemble d'une certaine manière? Ouais, c'est vraiment ça. C'est la bonne anneau, mais il faut une colle. Peut-être parce que j'ai pas. Comme il faut fouiller, je sais pas. Parce que tu sais, il disait des fois qu'il fallait promener la lumière aussi. Ça a tapé là, peut-être que. Non. Oh, oui, oui. Oh, mais ça veut dire qu'il faut que je m'amuse à refouiller toutes les pièces, parce qu'il y en a manqué de quoi quelque part. C'est le fun, ça.
pas d'électricité. Pourquoi on réussit pas à mettre l'électricité? Ouais, tu sais, on a fait le truc des fuse, pour quand t'actionnes, pis tu te répètes. Quoi faire donc? Ah, ça avait pas rapport avec le... C'est pas le rapport, le message dans le garage? C'est peut-être ça, me semble? Non, c'est un bouton. C'est des boutons verts, boutons bleus. Ça a pas rapport. C'est peut-être ça? Il y avait un fil électrique, c'est peut-être ça? Ça faisait de la surtension? C'est peut-être ça? Ouais, écoute, faut tout, comme je dis, faut tout réessayer. J'ai rien, là. Peut-être dans le sous-sol. Puis c'est juste à côté, là. Je peux pas écouter. Finally. Daniel, if you're here, I'm going to find you. Caché. Ah, il y a une note à terre. Non, papier à terre. Ok. J'ai l'impression qu'il va se passer de quoi, genre de rélo. Peux-tu tourner de bord? Ouais. Oh boy. Ok. On a la lumière. Puis on a l'électricité en gros, là, c'est ça, là, surtout. Fait que là, je vais checker ici. Il ne peut pas checker les.
pas de bouton. Bouton gauche, milieu démarrage, droite bidon. Si je veux l'arrêter, c'est go. Laisser tranquille, kid. C'est une musique pour dire que t'as réussi, c'est le fun. Ah ben! Des pinces à batterie. On va pouvoir connecter le projecteur. Pioche un saut destiné au jardinage. C'est la pièce barrée. Wow, c'est la pièce barrée. Mais la clé. La clé des domestiques. Clé là-bas, mais essayer de s'ébarrer de l'intérieur. Ah, ok, c'est comme une nouvelle pièce. Ouais. Oh là 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 là. Ah là, il y a de l'électricité là. Fouf! Par contre, je sais que ça ne s'éteindra pas. Là, faut-tu
place les pièces pour vrai? Y'a-tu quoi de différent? Peut-être qu'avec la lumière, ça fait de quoi que les traces dans le miroir? Huh. Le salon, à quoi ça sert d'abord de faire un feu si... Ben là j'ai des câbles. Ouais, c'est ça. Fait que je pourrais remonter en haut voir le projecteur. Ouais, ça doit être le projecteur. On va y aller. Oh my god. God, no, c'est oh shit, j'ai des frissons! J'aime qu'il ait pas fait ça en jumpscare, c'est le genre de fucking. Oh my god. Moi je pense qu'on est sur la bonne voie, genre ça trigger les trucs pis ça fait tellement. Ah! 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 Fonce à bas! Ah! Tu veux rentrer? What? Quelque chose de terrible se rapproche, vous devez vous cacher avant qu'il soit trop tard, regardez autour de vous et trouvez un endroit où il ne vous détectera pas. Une fois que vous avez interagi avec une cachette, elle apparaîtra sur la carte avec le symbole suivant. Le temps presse pour courir, maintenez LT. Ok, la plug. The wardrobe! À vous cacher de l'obscurité, mais le pire est à venir. Essayez de garder votre sang-froid pour vous calmer. Suivez le rythme de votre cœur en appuyant sur LTRT lorsque la bordure blanche atteint le centre du cercle. Tac. Ne laissez pas votre cœur battre trop fort, vous commencerez à paniquer, mais surtout ne regardez pas la chose. What the fuck? Was that for real, or am I imagining things? Mort à la lumière. What? Aïe aïe aïe. Ok. Ouais, genre. Non, c'est l'autre après. C'est une salle de jeu. C'est une belle salle de jeu. Cette maison de poupée est merveilleuse. Ah, la maison de poupée? C'est ce qu'il avait dit qu'il avait caché ou je sais pas trop. Ça va être un beau dessin. Wow! Deuxième dessin de Saul, réalisé par le Benjamin de Usher. Tout le monde autour de la flamme purificatrice. C'est beau, hein? Mais non! Quel enfant dessine sur le feu, il est marqué par quelque chose. Mais ceux des enfants sont un peu plus récents que ses jouets. J'ai trouvé des poupées, c'est là que je les mettrai. Tu veux, hein, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment des poupées à trouver. Bon, enfin, Castor, il y a une cachette dans cette pièce-là. Merci de m'avoir montré que je peux me cacher et c'est le fun. C'est pas long, pas le gros silo, tu sais. C'est tout petit. Et là là. Et là là.
Je ferais mieux de ne pas toucher à ces fils. Ce projecteur est équipé de poignées. Je pense que cette position peut être tournée. Bien intense, elle aime pas ça. C'est pas avec juste ma petite bougie, je vais faire de quoi. Accroché à un porte-clé rond. Macha. Cette clé revient directement des enfants. Ah, Macha, c'est des domestiques, non? Il semble que ouais. Julia? C'est écrit Julia. Ça en fait beaucoup des pièces. Oh wow! Belle horloge de Simon le chat. Je n'ai jamais entendu parler de ce groupe. Je vieillis certainement. Des effets chez mes hommes de l'autre côté du miroir. J'adore Carole. J'aimerais que tout le monde pense que ça vient d'Alice au pays des merveilles.
sens que mec, il faut que qu'il va falloir que je cours pour me trouver une cachette. Ça va être dur. Le bonhomme se contrôle vraiment mal. Oh shit. Celle-là, hein? Pas dans cette. Les toilettes sont bouchées en peste, mais on... je vois quelque chose là-dedans. Ah. Ah! Vieille poupée en chiffon sale. La pauvre est toute rapiécée. Nice. Quelque chose d'horrible et désagréable. Effectivement. Miroir pété. Ça, le cœur qui bat non-stop, c'est. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu fais? Qu'il faut que je fasse de quoi? J'ai une poupée que je vais pouvoir mettre. Le bureau avec la colle. Et voilà. C'est la salle de jeu. Ben, ça doit être ça. Ça doit être la position où ils sont. Bon. Ça fait une belle petite heure, ça. On va se regarder quitter ça. Fouille, oui.